Eh ben, bienvenue à vous et on vient de faire un tour de présentation et du coup là l'idée c'était de passer du coup à la suite dans le chat pour vous présenter en quelques mots. Vous pouvez le faire si vous n'avez pas envie, c'est pas grave non plus. Voilà, alors donc juste pour une, bon, une présentation de peut-être de qui on est, de ce qu'on fait d'habitude. Donc nous, ce qu'on s'était donné comme mission avec Solucratie, c'était voilà, bah, d'impulser une dynamique de collaboration dans les collectivités et d'essayer de contribuer à la réparation du tissu social comme on peut. Et on a été, bah, j'imagine comme beaucoup d'entre nous, assez déstabilisés par cette crise sanitaire. En fait, le contexte a changé, les ressources sont plus forcément là où on les attendait. La fermeture des frontières, ça a aussi fortement impacté le pays de Gex. Et c'est aussi très difficile d'évaluer comment la situation va évoluer. Par contre, ce qu'on sait, on avait fait un gros travail là-dessus avec Solucratie, c'était de poser une intention avant de lancer Solucratie. Et on sait qu'on peut toujours se reposer à la fois sur nos compétences, sur nos connaissances et sur les intentions qui nous animaient avant le confinement. C'est-à-dire qu'on peut revenir à ça comment dire, redéfinir une direction en fonction de ses intentions de base. Et du coup, on avait pu tester la méthode sur plusieurs territoires différents. Bah, par exemple, dans le village de Léa, où on avait fait du porte-à-porte, un atelier participatif. À Ferney aussi, où bah, Véronique, tu avais pu participer, Françoise également. Et en fait, comment dire, notre expérience, c'est pour essayer de développer en fait la culture de l'intelligence collective au niveau local, c'est-à-dire de trouver comment on peut organiser des réseaux de communication et comment on peut se relier juste tous ensemble pour être plus intelligents et répondre aux besoins les uns des autres. Et on met une intention très forte sur le besoin. Et en faisant ce travail, on a également un réseau large d'acteurs multicompétences, que ce soit démocratie ouverte avec les innovateurs démocratiques, l'archipel de la symbiose sur tout ce qui est résilience, transition, etc. Et on a tout un tas de contacts de partout. Et on a un panel d'outils assez divers pour nourrir la cohésion des groupes et pour les accompagner dans l'action, en fait. Et du coup, face à la situation actuelle et puis aux crises qui risquent de succéder sur notre territoire, pour nous, il paraît extrêmement essentiel en fait, de relier et d'encourager toutes les initiatives citoyennes qui émergent face aux besoins et de fournir les outils nécessaires pour développer l'entraide. En fait, c'est comme ça qu'on a envie de se mettre au service du pays Gex. Et du coup, quand ça a commencé, la première chose qu'on a fait, c'est que justement, on est revenu à notre intention et on s'est dit, bah, ce qu'on peut faire, c'est au moins organiser des groupes de parole pour faire sortir les émotions qui restaient confinées avec nous. Et avoir différents groupes de parole où les gens participent, ils ont 5 minutes pour s'exprimer et le groupe se met au service de chacun des individus. Donc ça, c'est une des choses qu'on a fait, c'est les corona-apéros solidaires. Et une fois qu'on a participé à un corona-apéro, bah, on peut le reproduire avec ses amis, sa famille, etc. Et c'est un format qui est duplicable, qui peut se propager facilement. On a aussi participé à beaucoup d'ateliers en ligne, on a animé pas mal de réunions, on a beaucoup avancé sur la possibilité d'utiliser les outils numériques pour reproduire ce qu'on faisait tout en étant confiné. C'est-à-dire que là, c'est un mini-exemple, quelque part, de ce qu'on peut faire en vrai, normalement. Et l'idée, bah, c'est de ne pas se laisser abattre et quand même de réussir à avancer, de réussir à fonctionner ensemble, malgré le fait qu'on soit chacun chez nous, que ce soit un petit peu plus difficile de se relier et de créer des liens. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui sont invisibles. En fait, le niveau de confusion, il a rapidement augmenté, que ce soit entre les infos de Facebook, les fausses infos de Facebook, la confusion du gouvernement au début pour gérer la crise et leur difficulté à faire passer des consignes claires, sans compter cette crise économique où on ne la voit pas encore tout à fait, on ne voit pas encore les effets parce qu'on ne sait pas faire la différence entre le Covid et la crise économique. Il y a peut-être une crise alimentaire, il y a le réchauffement climatique qui continue, avec potentiellement une sécheresse qui arrive. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent impacter encore la situation. Et en discutant avec diverses personnes dans nos cercles d'amis et dans les corona-apéros, on s'est aussi rendu que leur vie, elle changeait également entre les bouleversements liés au confinement, les pertes d'activité, la gestion des enfants, les peurs pour ceux qui sont forcés de continuer à travailler, donc ils ne savent pas trop comment se protéger, s'ils font les bonnes choses pour se protéger. Il y a des aides-soignants qui ont juste peur de passer le virus de personne à personne, en fait, en aidant les gens. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et,
Et ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on proposait avant le Covid, ça devenait encore plus nécessaire maintenant. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui est en train de changer sa vision du monde, on est tous dans notre coin un petit peu, quelque part, enfin pas tous, mais beaucoup. Et du coup, pour diminuer le niveau de confusion et pour éviter les collisions au moment du déconfinement, c'était mieux de se relire, de se relier, en fait, de se synchroniser. Et voilà, de tous, en fait, savoir où on en est, faire le point, faire un état des lieux, se relier, se synchroniser, pour éviter, en fait, de partir tous dans des directions différentes et de dupliquer les efforts et d'avoir encore plus de confusion qu'avant. Et notre conviction, en fait, c'est que le pouvoir qu'on a, il est au niveau local. C'est-à-dire que les infos qui nous viennent du gouvernement, elles manquent un peu de précision, elles sont plutôt généralistes parce qu'elles essaient de s'appliquer à tout le territoire. Elles ne couvrent pas les cas particuliers, les spécificités du territoire. Le pays de Gex, c'est encore plus spécifique, on ne voit déjà rien qu'avant. On avait du mal à faire entendre notre voix, ne serait-ce que par rapport à un hôpital, par rapport à des choses comme ça. Et là, ça va être la même chose finalement. Et si on se base sur les articles qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. On a juste des mélanges de conspirations, de débats sans fin, de désinformations, de choses comme ça. Et du coup, nous, on a en fait, comment dire, on a vu que face aux besoins, l'entraide et la solidarité se sont activées automatiquement. C'est-à-dire à partir du moment où les besoins étaient évidents, ils sont devenus visibles, il y a tout un tas de gens qui se sont activés à droite à gauche pour faire des masques, pour faire des visières de protection. Il y a des caddies qui s'organisaient pour les aides-soignants dans les supermarchés où c'était possible juste de. Enfin, c'est toujours possible d'ailleurs de les remplir avec de la bouffe, avec des trucs à leur donner, des choses qui s'organisent pour les sans-abri. Maintenant, il y a un système de vélo solidaire basé sur. Enfin, de coursiers solidaires dans le pays de Gex pour les livraisons à vélo. Il y a même du personnel soignant qui venait pour l'hôpital provisoire à Gex. Ils leur ont trouvé des appartements, en fait. Ils cherchaient un endroit pour loger, pour ne pas venir d'Annecy à chaque fois. Ils ont retrouvé des appartements vides qu'ils ont pu habiter. Et tous ces trucs-là, ça vient du niveau local. C'est-à-dire que dès que le besoin est évident, on arrive tout de suite à trouver des solutions et à avancer. Et du coup, en fait, ce qu'on aimerait faire déjà, c'est peut-être un petit jeu. Pour vous montrer à quel point ça peut être puissant quand le groupe se met au service des besoins de ses membres. C'est-à-dire que si par exemple il y a votre voisin qui a besoin d'une perceuse, alors à moins que vous ayez vraiment des gros problèmes avec lui, mais la chose principale qui va vous empêcher de lui prêter, c'est juste de ne pas savoir qu'il en a besoin. Si vous avez une perceuse qui traîne chez vous et que vous ne savez pas que votre voisin en a besoin et que c'est vital pour lui, vous n'allez pas lui prêter. Mais à partir du moment où vous le savez, il n'y a plus rien qui empêche quelque part ça. Et pour mettre en lumière cette force qu'on peut tirer de l'intelligence du groupe, je vous propose de faire un petit exercice. J'ai discuté la semaine dernière avec une personne qui est élue à la ville de Ferney. Et ça va être la même chose pour toutes les villes. Donc le petit travail qu'on va faire là peut être utile pour toutes les communes du Pays de Gex. En fait, comment dire? Venir là. Il y a la région qui va livrer des masques pour tous les habitants du Pays de Gex. Donc chaque personne va avoir droit à un masque. Le truc, c'est que la problématique, elle est dans la distribution. Comment on fait, en fait, pour distribuer les masques aux gens? D'une part, pour les informer tous qui vont avoir droit à un masque, s'assurer que chaque personne reçoive bien son masque, les distribuer sans créer d'attroupement à un endroit donné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'il y a des masques, on ne veut pas que tout le monde se rue au même endroit au même moment, parce que sinon, ça va créer un attroupement et il y a plus de risques de contamination. Et comment on va respecter les gestes barrières et pas mettre non plus en danger les agents communaux? C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils soient formés pour gérer ce truc-là. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est juste d'aller dans le chat, de prendre 3 minutes. On va mettre 3 minutes chacun et de jeter toutes les idées que vous avez, absolument toutes les idées que vous avez, qu'elles soient bonnes, mauvaises, stupides, que ce soit juste des trucs. Je pense que vous n'arriverez pas à sortir des idées aussi stupides que les miennes. Et voilà, de juste lâcher tout ce que vous avez, quoi. Et si jamais, des fois, il y a une idée qui vous paraît complètement stupide, il faut la sortir parce que juste derrière, il y a la meilleure idée du monde qui peut sortir. Et peut-être que des fois, vous allez sortir un truc qui vous paraît complètement stupide et en fait, ça va donner une idée à quelqu'un qui va être super intelligent. Donc, je vous propose maintenant, pendant 3 minutes, de lâcher tout ce que vous avez, de tout mettre dans le chat. Et si vous n'avez pas accès si vous n'avez pas accès au chat, vous pouvez me le dire. Et je les noterai moi dans le chat.
Bon, voilà. Alors, on en a un petit paquet et ça continue. Alors, il y a tout un tas de choses, en fait, bah, les mettre en libre service, utiliser des pigeons voyageurs, faire la liste des gens qui sont OK de distribuer dans leur quartier, distribution par quartier à des heures différées, seconder les facteurs si c'est agréé par la poste, du porte-à-porte avec distance de sécurité, les distribuer devant les supermarchés, les boulangeries. Enfin, voilà, vous voyez que ça manque pas d'idées. Et cette liste-là, on va la prendre et puis on va la distribuer après aux élus, parce que ça peut leur être utile s'ils ne savaient pas déjà. Ou s'ils sont pas déjà arrivés à différentes solutions. Mais juste en mettant ce besoin visible, avec une trentaine de personnes, en 3 minutes, on est déjà arrivé avec des dizaines d'idées. Donc, quelque part, ce n'est pas les idées qui manquent, c'est vraiment juste à partir du moment où le besoin est visible, on va pouvoir s'en occuper et le prendre en main, quelque part. Et donc, imaginez le nombre de besoins auxquels on ne répond pas juste parce qu'on ne sait pas qu'ils existent dans le pays de Gex actuellement. Et vu qu'on est confiné, il y en a encore plus. du coup, hop, alors c'est bon, Circe, si jamais ça enregistre la conversation après, derrière, ça, on pourra le récupérer. Voilà, donc ça c'était le petit jeu. Et je passe la main à Judith. Eh ben, merci. Ah, il y a Gilles Verso qui voudrait intervenir. Je laisse la main. C'est Jean-Laurent. Ton micro est coupé, si jamais. Ah, je ne sais pas pourquoi il se coupe tout seul. Bon, alors je disais, en tant qu'élu à Verzonay, qui est un petit village, nous avons pu envoyer un mail la semaine dernière aux administrés pour leur envoyer un formulaire pour qu'ils nous indiquent et qu'ils confirment en fait leurs besoins par rapport au nombre de personnes. Et on va, en tant qu'élu, les distribuer par quartier. Mais effectivement, je pense qu'entre un village et une ville de 10 000 habitants, ça doit peut-être s'organiser peut-être un peu différemment. Voilà. Oui, complètement, effectivement. Le contexte change pas mal la donne. Bon. Merci pour le partage. Du coup, j'en profite pour vous proposer un autre temps d'animation. Comme l'a évoqué Yannick, en fait, on vit tous un confinement différent. Je pense que qu'on soit soignant, qu'on soit en télétravail à la maison, avec des enfants ou sans enfants, qu'on soit bah, en fait, sans travail, qu'on ait peut-être perdu déjà notre boulot. Il y a plein de manières de vivre le confinement et on avait envie de profiter d'un temps collectif où en fait 5 personnes, donc là c'est un appel aux volontaires, pourraient s'exprimer sur bah, en fait, comment lui ou elle vit et a vécu le confinement. Et aussi, une autre question auxquelles on aimerait que ces 5 personnes volontaires répondent, c'est quelle est ma vision du futur de ma ville et du pays de Gex? Et là, l'idée, c'est vraiment de, voilà, de croiser les différents regards qu'on peut avoir sur la situation actuelle, donc la situation présente et la situation future. Et si on peut avoir des hommes, des femmes, des plus vieux, des moins vieux, ce serait pas mal pour avoir vraiment des regards différents. Et donc là, bah, ceux qui ont envie de contribuer, l'idée, c'est d'avoir 3 minutes par personne. Donc pareil, là, on va vous chronométrer pour que comme ça, vous soyez timé, vous n'avez pas à vous soucier du temps. Et puis, vous pouvez mettre une étoile, du coup, dans le chat, si vous avez envie de vous exprimer. Et donc, les premiers qui partageront pourront partager. Et bien, génial, on a déjà François. Donc, peut-être qu'on commence par François. Et puis, s'il y en a d'autres qui ont envie de se mouiller après, bah, vous pouvez mettre une étoile. Quand François parlera. Yes, merci, merci Judith, merci Sylocratie. Je me suis reconnu dans la définition du. C'est bon, vous m'entendez? Dans la définition du entre plusieurs âges et tout ça. Donc, moi j'habite Gex. Alors, je suis un adepte de la transition vers le monde qui devrait se construire.
Et je vis le confinement actuel comme étant une chance de tester une rupture avec le système qui existait avant, qui continuera peut-être d'exister après, mais en tout cas, je trouve que c'est une chance de voir ce que ça peut donner que tout d'un coup être projeté en dehors d'un confort où on empêche, enfin, où on n'a pas forcément à réfléchir, puisque finalement, on est tous sur un chemin. Surtout qu'on doit payer des factures et puis qu'on doit élever des enfants et qu'on doit se soucier de nos parents qui sont à la retraite. Oh, voilà, ce qui est mon cas particulièrement, donc je suis dans cette génération-là. Et je trouve que le confinement est l'occasion de tester tout ça avec une certaine forme de non-violence, puisqu'il y a à manger dans les supermarchés, qu'il y a l'électricité et de l'eau qui tombent, et qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas besoin de s'entretuer pour survivre. Donc, je trouve ça plutôt chouette et que ça nous permet de tester le concept de solidarité. Alors, moi, j'aime bien aussi le fait que dans tout ça, il faut qu'on fasse de l'entraide. Et que l'entraide, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur économique, en tout cas dans le système d'où on vient, et que l'entraide, bah, ça fait que nos parents qui sont à la retraite, ou pour ceux qui ne sont pas nos parents, mais qui le sont aussi, le problème de l'entraide, c'est que ça ne génère pas suffisamment d'argent pour que ces retraites soient payées. Donc, les retraites, elles sont payées notamment avec de l'argent qui vient de fonds de pension qui eux-mêmes sont le résultat d'un capitalisme moderne. Et on est confronté à ça. Alors, ma vision, voilà, pour dire que je suis content de cette concepte. Confinement, je ne dois plus avoir beaucoup de temps parce qu'on peut se mettre dans ces conditions-là sans se taper dessus. Et ma vision du futur, c'est que le problème du confinement, c'est qu'on est tous chacun chez soi. Donc, ça brise le lien social. Et ça, je n'avais pas trop prévu le truc. Et dans l'entraide, il y a beaucoup de liens sociaux, donc il y a un conflit là, enfin quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter, et que je souhaiterais expérimenter à venir, donc partager nos jardins, nos poulaillers, nos machines à laver, tout ce dont on a en besoin, mais en trop, en double, en quadruple, et moins travailler, et plus se promener dans le Jura, voilà, en groupe. Et je sais pas s'il y a 30 minutes ou pas, je ne sais pas qui c'est qui tient le timing, mais... je vois pas. C'est bon ou je continue? Tu as encore 10 secondes, mais tu vas arrêter. Voilà, merci. Alors, j'ai pas été très clair sur le futur, mais du coup, c'est bien de trouver des plateformes parce qu'être rebelle tout seul, ça sert à rien. Il faut une action globale, collective. Voilà. Merci. Merci. Alors, du coup, je crois que du coup, Guillaume avait envie d'intervenir. Oui, effectivement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un plaisir d'être là, tous les deux, devant vous. Et puis, merci beaucoup pour cette initiative que je trouve vraiment chouette. Moi, j'avais trois mots à dire. C'est le premier, c'est l'inégalité. Effectivement, on se rend compte. Moi, ce qui m'a frappé, en tout cas, c'est vraiment le creusement fondamental, enfin, plus en plus vif, des inégalités, notamment liées au logement. C'est-à-dire que nous, on est dans une position assez privilégiée, avec un appartement généreux, donc on a de la chance, donc tout va bien. Mais à l'inverse de ça, effectivement, ça rend visible les invisibles, comme ce qui a été évoqué tout à l'heure avec les gens qui dorment dans leur voiture. Et finalement, les plus vulnérables sont encore, une fois de plus, les plus pénalisés. Donc le premier point, ça serait effectivement un pays JEX plus solidaire, où on arrive un petit peu à mettre en place des solutions de solidarité pour ces personnes qui sont vraiment des situations vulnérables. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est autour de la frugalité. Moi, je trouve qu'il y a une grosse opportunité, c'est-à-dire qu'en étant confiné, on revient effectivement à l'essentiel quelque part, c'est-à-dire qu'on va un peu moins dans les magasins, voire plus du tout, parce qu'on n'a plus accès. On centre sur une qualité de produits alimentaires plus importante et on se rend compte qu'on a moins besoin de fringues et moins besoin de plein d'appareils technologiques qui ne nous servent à rien ou moins besoin de se déplacer en cramant du gasoil. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment l'intérêt de la frugalité, un retour à l'essentiel en se recentrant sur les gens qui nous importent. Et le troisième point, c'est la mobilité. Franchement, c'est quand même extrêmement agréable de sortir dans la rue, de ne plus avoir des flux de voitures en continu. De voir devant chez nous la possibilité de faire des zones piétonnes, de faire des zones cyclables et de faire des zones partagées, accessibilité pour tous et pour toutes. Et je trouve que là, il y a vraiment de quoi réfléchir à ce que c'est la ville d'après,
Et je trouve que sur les aspects mobilité, notamment mobilité douce, là, on a vraiment l'opportunité de faire quelque chose. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, je m'arrêterai là. Je ne vais pas aller jusqu'à 3 minutes. Donc, voilà les 3 points que je voulais évoquer. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Guillaume. Et bien, du coup, je crois que c'est à Yvette qui a manifesté dans le chat son envie de partager. Voilà, je me suis dit qu'il fallait une femme et une femme à la retraite. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. D'accord. Merci, Yvette. Voilà. Alors voilà, donc je me dévoue. Et bon, moi, ce confinement, pour moi, ce n'est pas une grosse épreuve parce que je suis aussi dans un lieu confortable. Je n'ai pas un gros problème avec la solitude et avec me restreindre. C'est quelque chose que je faisais déjà parce que je n'avais pas envie de consommer n'importe quoi, donc j'avais pas mal réduit déjà. Après, m'occuper de ma santé, m'occuper de celle des gens que je connais aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc je l'ai fait volontiers. La solidarité, bon, moi je me suis engagée dans le travail qu'on fait avec le pacte pour la transition, donc pour moi cette chose-là est très importante pour le futur. Quelque part, ce moment de confinement et puis d'arrêt de la vie telle qu'on la connaît, de l'économie, c'est presque privilégié en fait, parce que c'est un peu comme une école. Ça faisait pas mal de temps que j'étais branchée aussi collapsologie et je me disais ben, comment ça va être, quand ça va arriver, ben, je me dis ça pourrait être le début en fait, on ne sait pas hein, parce qu'on ne sait pas très bien comment ça va tourner cette histoire. Donc moi c'est plutôt simple comment je vis ça au jour le jour. Je me pose plus des questions pour l'avenir et comment on veut aborder cet avenir au mieux en fait, parce que je ne me cache pas trop, moi enfin je sais que l'humanité a de très beaux côtés, mais elle a aussi des côtés sombres qui se sont beaucoup exprimés et qui pourraient encore plus s'exprimer dans un sens de suppression des libertés individuelles. Donc, je me pose vraiment des questions par rapport à ça. Et pour moi, la solution, c'est le développement de la conscience, c'est l'échange avec les autres, c'est créer du lien, c'est parler, c'est échanger, même si on n'est pas d'accord, ce n'est pas très grave. On parle, on échange et on progresse ensemble. Et donc ce que vous proposez avec Solucratie, le Coronapéro, je me suis lancée, j'ai déjà fait mon petit groupe à moi là, donc c'était sympathique avec des amis. Et donc pour moi c'est des outils qui sont vraiment très importants et ça faisait des années que j'avais envie de faire ça quoi, en fait. Moi j'attendais que ça, j'attendais aussi que les avions s'arrêtent de voler, ça faisait des années que je me disais ça serait super le Payjack sans les avions, ben voilà c'est arrivé. c'est extraordinaire, à la place on entend les oiseaux, on voit les fleurs pousser dans la pelouse. Donc moi, je trouve que c'est un moment extraordinaire. Après, je ne me fais pas trop d'illusions sur les systèmes politiques en place et ceux qui ne sont pas en place, mais qui pourraient l'être. Donc en fait, on a vraiment intérêt à consolider le truc, quoi. Créer de la valeur de solidarité, de support, de conscience. C'est hyper important. C'est vraiment... c'est hyper. Moi, des fois, je passe des journées, des heures à ça, quoi. Je parle avec... Enfin, j'ai jamais autant communiqué, en fait. j'ai même relié, fait des liens avec des membres que j'ai pas vus de ma famille depuis 30 ans. Et je me suis dit, comme j'appelais les personnes âgées isolées au téléphone, je me suis dit, je peux aussi les appeler pendant que j'y suis, quoi, parce que franchement... Et en fait, ils sont hyper contents. On se retrouve et on ne se connaît pas parce que ça fait 40 ans qu'on ne s'est pas parlé, donc c'est assez rigolo. Yvette, ton temps est écoulé. Excusez-moi, oui, moi je suis assez bavarde. Hein, donc, Non, mais pas souci. Voilà. Merci. Merci à vous. Hein. Yvette. Eh bien, je crois du coup Shadia a demandé la parole. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Donc moi, je voulais simplement partager mon témoignage par rapport au confinement. Alors effectivement, ça a déjà été dit, on est inégaux face au confinement puisqu'on est inégaux face aux problèmes de santé. Et ça, effectivement, c'est pas évident à vivre. On est dans un pays où l'égalité, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de nos valeurs. Et c'est pas évident quand moi je travaille avec des collaborateurs, certains ont une maison et d'autres sont dans un tout petit studio. Donc forcément on est dans une situation inéquitable et inégalitaire. Donc ça
pour moi, ce n'était pas non plus évident à apporter, à prendre en compte aussi, puisqu'on a l'habitude de demander plus ou moins la même chose à tout le monde, mais là, c'était pas possible. Donc là-dessus, voilà, c'est quelque chose en tout cas qui a été mis en lumière. Et moi, ce que je voulais partager, c'est que du coup, nous-mêmes, on est confrontés à cette situation. Nous-mêmes, on est vulnérables, qu'on soit élu, directeur de structure, responsable, etc. Le confinement s'impose à tous. Donc là-dessus, moi, je voulais partager aussi le fait qu'on avait le droit de dire qu'à un moment, on ne savait pas, puisque le gouvernement lui-même, parfois, ne sait pas si l'école va réouvrir la semaine prochaine et dans quelles conditions. Et que nous-mêmes, on pouvait être aussi impactés par cette crise qui se vit. Voilà concernant mon témoignage pour le confinement. Et concernant la vision que je peux en avoir, en tout cas ce que je souhaiterais retenir, c'est qu'au final, envoyer un mail de chez soi ou à 30 km sur notre lieu de travail, au final, le mail, il part dans le même sens. Donc voilà, c'est se réinterroger, pouvoir exploiter ce qu'on a pu tester, enfin en termes de communication, en termes d'événementiel, en termes d'accès à l'information, puisque c'est quand même l'un des sujets qui nous réunit aujourd'hui. Avec moi, une interrogation pour les personnes qui sont en fracture numérique, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément accès. Alors, dire ben, on va poster telle information sur Facebook, oui, il y a une majorité des personnes qui vont avoir accès, mais toutes n'y ont pas accès. Et tout à l'heure, en lisant les messages sur les masques, plusieurs fois est remonté le terme de personnes vulnérables, de personnes qui en ont le plus besoin. Effectivement, il y a cette population pour moi qui reste importante. Donc là-dessus, voilà comment j'envisage le déconfinement, en tout cas la vie d'après, c'est vraiment capitaliser sur ce qu'on a pu découvrir. Alors ça passe par ce que vous avez dit, hein, faire son pain soi-même, moins s'habiller, moins sortir, avoir des rapports avec ses enfants et son conjoint ou sa famille, en tout cas, revisiter et vraiment basé sur la personne et sa santé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Shadia. On a encore le temps pour une personne. J'ai invité, du coup, je ne sais pas si quelqu'un a envie de se mouiller pour le dernier partage. Ah bah Caroline, parfait. Merci, Caroline. Oui, je me suis sentie appelée par le une élue. Alors, donc moi, en fait, j'ai été élue conseillère municipale à Sony au mois de mars. Donc, je dirais que le premier effet du confinement pour moi, ça a été une énorme frustration. La frustration que notre prise de fonction, elle est reportée. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire, mais on n'est pas en fonction. Et donc, on essaye d'aider, mais ce n'est pas légitime. Mais, enfin, voilà. Et puis, il faut faire… Enfin, voilà, c'est… On va dire qu'une arrivée dans un nouveau conseil, c'est déjà pas forcément facile. Mais alors, en plus, quand on est élu, mais pas élu, en fait, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc, la réjouissance, elle a été assez courte. Et puis, les problèmes qu'on peut voir. Alors, nous, on a des soucis de site internet. On a des soucis… en fait, on ne peut rien commencer parce qu'on ne peut pas se voir. On ne peut pas discuter entre nous. Tout le monde n'est pas au fait de ces technologies numériques non plus. Donc, là, je crois que la semaine prochaine, on va réussir à faire un premier Zoom. Mais alors, pareil, il y a ceux qui disent « Oui, mais Zoom, c'est écouté par les Américains ou les Chinois ou autres ». Alors, j'ai beau dire que s'ils écoutent Sony, tant mieux, ils n'écouteront pas autre chose de plus important. Mais voilà. Donc, je dirais, c'est un petit peu cette frustration de ne pas pouvoir mettre en place les choses qu'on voudrait faire et puis de ne pas pouvoir se rencontrer pour, j'allais dire finaliser, mais c'est plutôt commencer ce qu'on a essayé de faire comme liste. Voilà. Donc, nous, on avait aussi un beau projet. On avait signé le pacte pour la transition. On était dans les starting blocks et en fait, ça tombe comme un soufflet au fromage. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Après, ma vision sur l'avenir, alors moi, je dirais qu'au contraire, je trouve que la situation, elle est plutôt encourageante. Elle est encourageante parce qu'on voit que les gens sont pour la plupart de belles personnes. Que très vite dans la difficulté, c'est le meilleur de l'homme qui ressort. Alors, je passe outre les paquets de pâtes et autres qui disparaissent ou le papier toilette qui semble être un vecteur de confort important pour les gens. Mais si on enlève ça, je trouve que voilà, les gens se disent bonjour, s'entraident. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On n'a eu, nous, aucun problème sur Sony pour avoir des volontaires pour distribuer les formulaires dans les boîtes aux lettres. Les gens sont à l'écoute. Enfin, voilà, franchement, moi, je suis plutôt épatée par la solidarité.
les gens ne se sont pas claquemurés dans un bunker comme s'il y avait une guerre mondiale, quoi. Voilà, et pareil, je suis aussi assez épatée, alors je suis très apolitique, hein, mais je suis assez épatée par tout ce qui est fait au niveau du gouvernement, les prises de position, enfin voilà, même là encore, les guerres intestines, elles ont été mises de côté, je trouve. Et il y a beaucoup de choses positives, comme disait Yannick, le gouvernement il a mis en place beaucoup de choses qui doivent être homogènes, et je trouve qu'il y a beaucoup de latitude laissée aux communes, aux collectivités territoriales en général pour affiner, et ça aussi je me dis qu'ils se sont retrouvés dans une situation telle qu'ils ne pouvaient pas tout gérer, et de là ça rouvre la porte de l'autonomie pour dire que finalement les solutions elles sont locales. Voilà, je ne dois pas être loin des 3 minutes. Hein. Ça y est. T'as dû faire genre 3 minutes 5. Merci beaucoup, Caroline. Du coup, ça fait une superbe transition pour ce que voulait amener Yannick après. Donc, merci, Caroline. Et merci à vous tous pour vos témoignages. C'était très riche. Voilà, donc effectivement, qu'est-ce qu'on a vu qui était déjà en place dans le pays de Jack ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a ratées, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui émergent de partout. Notre proposition, quand on a proposé cette réunion, c'était de lancer une enquête téléphonique pour faire remonter les besoins, sans vraiment savoir par où commencer, qui contacter, etc. On pensait en discuter avec vous et dire, par où on commence, on fait une grosse enquête téléphonique. Si on se met à 200, on peut appeler 10 personnes chacun, ça fait 2000 personnes. On aura une bonne vision de ce qui se passe. Et on voulait réfléchir à la structuration d'un réseau de communication pour pouvoir s'adapter facilement en cas de crise, pas seulement pour celle-là, mais pour toutes celles qu'il peut y avoir derrière, qui connectent même les personnes qui n'ont pas accès aux outils numériques, qui permettent de rendre les besoins visibles largement et que ça augmente les chances d'y répondre aussi. Et pour préparer cette réunion, en fait, j'ai appelé pas mal de personnes pour les inviter et connaître leur point de vue. Et j'ai compris qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient en place. J'ai discuté avec la dame en charge du pôle économique à la CAPG, qui m'a expliqué qu'ils ont déjà fait une enquête en fait auprès des entreprises du pays de Jax. Ils ont travaillé avec la CCI pour faire ce genre de choses. Il y a en ligne en fait déjà les résultats de l'enquête avec la CCI. Ils ont mis en place un questionnaire en fait, qui est là, qui est adressé aux entreprises du pays de Jax pour les aider. Et il y a une carte des producteurs locaux pour savoir où faire ses courses, parce que les producteurs locaux aussi, ils ont beaucoup souffert de cette crise, parce que les gens vont plutôt dans les supermarchés pour faire leurs courses, parce que c'est plus simple, on est moins exposé. Disons qu'on centralise d'un coup tous les achats, etc. Et ça évite de faire des allers-retours à droite, à gauche et tout. Et donc, voilà, il y a tous ces trucs-là. Là, on est en train de travailler avec le Fab Lab, Pangloss Lab, et la région, en fait, qui nous a commandé tout un tas de matériel pour produire des visières de protection. Donc, on a lancé une filière de production de visières de protection pour les gens qui vont se retrouver au contact avec le public bientôt. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un réseau qui le faisait, qui était entré en contact avec le CERN. C'est juste plein de gens qui sont entrés en contact ensemble, qui ont des imprimantes 3D et qui ont déjà produit 3000 visières. Donc nous, avec notre Fab Lab, on était déjà en retard sur ce qui était déjà fait par les individus. Donc, c'était assez rigolo. Et voilà. Du coup, il y a déjà beaucoup de choses en place. Il y a le système de livraison dont je vous parlais. Enfin, il y a tous ces trucs-là. Et l'idée, en fait, c'est de demander si on allait un peu plus loin, si on se disait que c'était possible de mettre en place un système d'entraide qui répond efficacement à cette crise et à toutes les suivantes et qu'on puisse le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on ait un truc juste où d'un coup, il y a une crise, voilà les besoins, on les jette au milieu et les gens peuvent se les approprier, peuvent dire moi j'ai besoin, je sais pas, de 3 paquets de pâtes, de 10 rouleaux de PQ, des choses comme ça. Et on a un système d'échange, un système qui permet de basculer sur quelque chose qui fait qu'on répond tous aux besoins ensemble et qu'il n'y a plus de personnes qui se retrouvent déconnectées du truc. Juste pour l'anecdote, en fait, j'ai dépassé peut-être un peu le temps, mais on a de l'avance. J'ai proposé mon aide à la mairie de Jax. Ils m'ont envoyé vers un monsieur qui a 85 ans, qui habite tout seul, qui a des problèmes. En fait, il ne parle pas très bien le français, il a des problèmes de douille. Et donc, les appels téléphoniques, pour lui, ce n'est pas top. Et en fait, il était dans une espèce de situation de détresse administrative. J'ai mis 3 semaines à rentrer en contact avec une assistante sociale juste pour m'aider à naviguer en fait, le bordel entre la retraite,
entre par l'agence immobilière, mais la régie immobilière qui lui réclamait des mises en demeure parce qu'il n'avait pas payé des trucs il y a 2 ans, etc. Entre la mutuelle qui le payait plus, enfin, il y avait des trucs comme ça et il ne savait pas quoi faire, il ne savait plus où il en était. Il y avait une personne qui l'aidait, mais qui lui était polonais et qui ne connaissait pas non plus très bien le circuit français et toutes ces formalités administratives qu'on peut avoir. Et même moi, en fait, voilà, pourtant, je suis pas complètement con, j'ai vraiment galéré pour juste trouver quel était le numéro pour appeler une assistante sociale. Quoi. Et je me dis, est-ce qu'on peut faire mieux que ça quand même? Est-ce qu'on arrive à faire un truc où voilà, on juste admettre que on va pas réussir à tout faire, etc., mais qu'on ait ces possibilités-là. Et cet atelier, en fait, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Il y a des référents de quartier pour faire remonter les besoins pour les personnes qui sont pas connectées au numérique, des réserves communales de sécurité civile. Il y a un truc qui existe déjà, qui est un contrat que les gens passent avec le maire en disant, en cas de problème, vous pouvez m'appeler, je fais partie de la réserve communale de sécurité civile et vous pouvez me mettre à disposition de tout ce que vous avez besoin. Donc c'est possible, ça c'est déjà prévu légalement pour le faire. Il y a des groupes de parole pour du soutien psychologique, ça c'est ce qu'on a fait avec les Corona Pérou, des ateliers dédiés pour de l'entraide professionnelle, il y a des professionnels, des artisans, dont ce n'est pas le métier de remplir des dossiers, et en fait on leur demande de remplir des dossiers pour des aides, etc. On peut potentiellement juste en réunir une dizaine, avoir une personne qui sait remplir les dossiers, qui fait des modèles de documents, et puis on envoie, quoi. Et juste trouver en fait comment mutualiser tous ces efforts-là qui sont faits. Et l'intention, elle n'est pas de fournir des solutions, parce que les solutions, il y en a plein, on l'a vu tout à l'heure, mais de rendre visibles le besoin. À partir du moment où on a rendu les visibles besoins et on a mis en place des mécanismes pour qu'ils soient à jour, on a créé les espaces-temps nécessaires pour que le collectif, que ce soit les individus ou les personnes ressources, ils puissent imaginer les réponses à leurs propres besoins, eh bien, on peut accompagner et booster ces solutions. Et l'idée, c'est juste ça, c'est de la communication, c'est de rendre des choses visibles et de créer des espaces-temps où on peut en discuter ensemble, parce qu'on est tous capables de répondre à ces solutions. Je suis sûr qu'on a tous plein d'idées et plein de trucs. Voilà, pardon, je me suis emballé un peu. Judith, je te laisse la place. On aime bien quand tu t'emballes. C'est trop bien. Alors, du coup, en fait, par rapport à ce qu'évoquait Yannick sur effectivement identifier et construire en fait un système d'entraide dans le pays JEX, en fait, on voulait du coup faire une proposition. Cette proposition, elle est imparfaite, incomplète, parce qu'on a envie de la co-construire vraiment avec vous. On aurait pu venir avec quelque chose de tout prêt, et puis en fait, on s'est dit. Non, en fait, peut-être que si on veut vraiment coller aux besoins du territoire et si on veut vraiment répondre à vos situations, c'était mieux de le faire avec vous. Donc, si je fais rapidement ce qu'on aimerait vous proposer, c'est du coup de s'appuyer sur la méthode Solucratie qui est composée de 4 étapes. Et le principe, en fait, c'est du coup d'appliquer cette méthode. D'habitude, on le fait à l'échelle d'une ville. Et là, en fait, on a changé d'échelle en se disant que c'était peut-être plus pertinent de le faire à l'échelle de l'agglomération pour pouvoir répondre à ces crises, cette crise actuelle et à ces crises futures. Et donc, ce qu'on propose, en fait, c'est donc, dans une première étape, de réunir une équipe locale. Et donc là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de regrouper sur donc, le pays de Jeff un groupe de personnes motivées qui a envie de plus d'entraide, de plus de solidarité et de mise en action aussi pour répondre du coup aux besoins et à la situation actuelle. Et donc, je vous ai noté, je ne sais pas si vous les voyez bien du coup sur les slides, des questions en suspens. Il y a pas mal de questions qu'on se pose, qu'on pourra peut-être évoquer après. Par exemple, qui doit faire partie de cette équipe locale pour permettre que ce projet il soit ambitieux et qu'il fonctionne? Est-ce qu'il y a des initiatives similaires qui ont déjà été lancées? Est-ce que c'est un projet qui serait soutenu par les collectivités? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose et on serait ravis d'avoir votre avis peut-être dans les ateliers après. Ensuite, la deuxième étape, c'est une fois qu'on a réuni un groupe de personnes motivées, l'idée, c'est de faire émerger les besoins du territoire. Et donc là, ce qu'on a envie de faire, c'est de se mettre à l'écoute des besoins des acteurs du pays JEX, pour faire un état des lieux sur la situation, savoir comment le confinement a pu impacter la vie de chacun et connaître un peu mieux leurs besoins.
Et donc, dans ce qu'on aime faire, parce que ce qu'évoquait Yannick, c'était de effectivement rendre visibles ces besoins-là, ben c'est après de penser vraiment à une logique de communication pour rendre visibles au maximum ces besoins. L'idée, ce n'est pas de les garder dans notre coin et de dire ben, voilà ce qu'on va en faire entre nous, équipe locale. Non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le mettre au service du maximum de personnes pour que les gens puissent s'activer. Et donc là, sur les questions qu'on s'est posées, elles ont été évoquées tout à l'heure, j'ai l'impression, par plusieurs personnes qui ont témoigné, c'est à quel acteur, en fait, on va s'adresser, qui on aimerait, en fait, écouter. Est-ce que c'est les personnes les plus vulnérables, donc certains citoyens, peut-être avec la fracture numérique? Est-ce que c'est les entreprises qui vont souffrir énormément du manque de production et de demande? Est-ce que c'est, les associations qui ne peuvent plus agir comme elles le souhaitent. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait identifier avec vous. Et puis aussi, c'est sur les modalités. Est-ce qu'au début, on avait pensé à une enquête téléphonique, mais ça peut être pas mal d'autres modalités. On a plein de choses, nous, sous la main en termes d'outils, mais on aimerait le développer davantage avec vous. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Yannick, s'il te plaît? Merci. Et donc, une fois qu'on a rendu visibles ces besoins, l'idée, c'est du coup d'imaginer les solutions collectivement, un peu comme Yannick vous a proposé juste avant, de se dire, en fait, on peut faire des ateliers thématiques en fonction des besoins remontés. Et puis là, se mettre autour d'une table avec les bonnes personnes autour de la table, donc des citoyens, des acteurs qui connaissent le sujet. Et comme ça, on pourra imaginer des centaines de solutions et pouvoir les mettre en action après. Voilà pour la troisième étape. Et pour la quatrième étape, donc c'est d'accompagner les solutions. Donc là, l'idée, c'est d'abord de valoriser toutes les solutions qui ont été proposées et puis après d'accompagner leur réalisation et leur suivi plutôt dans la durée. Parce que ce qu'on recherche, en fait, avec tout ça, c'est vraiment, ce qu'évoquait Nick, c'est créer ce système d'entraide et qui soit durable et qui permet à la fois d'écouter les gens et de mettre en action les gens. Donc, il y a vraiment cette double logique. Et pour faire tout ça, en fait, on a, par exemple, Politiqueur peut proposer une plateforme numérique qui permet de valoriser tout ce qui est fait au travers de ce travail-là. C'est-à-dire, pour justement bien communiquer, partager les informations autour de cette démarche, il est possible, du coup, de pouvoir les présenter. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je te laisse la main, du coup, Yannick, pour la suite. Oui, et c'est la dernière slide où on vous embête. Après, c'est à vous de jouer. En fait, voilà, donc ouais, ce qu'on propose ici, c'est juste de faire ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Donc, c'est juste créer les conditions nécessaires pour qu'on soit plus intelligents tous ensemble. On a envie d'aider, on a juste envie de bien faire, on a juste envie de faire quelque chose, de ne pas rester confiné chez nous, à attendre que ça se passe et à regarder le truc et à se demander s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre les choses en main. Et du coup, c'est comme ça qu'on propose de le faire. Et c'est aussi possible que ce ne soit pas du tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est aussi possible qu'on soit complètement en train de se planter, qu'on soit resté plusieurs semaines chez nous, confiné à partir en vrille dans nos têtes, etc. Mais et on voulait quand même apporter quelque chose qui suffise à soi-même dans cet atelier. C'est que d'une part, vous repartiez d'ici peut-être avec une vision plus claire de la situation. Alors ça, je sais, ça se verra peut-être plus après. Et que vous ayez pu vivre ce que l'intelligence collective peut apporter. L'idée de dire, c'est qu'en groupe, on peut faire des choses magnifiques. Il suffit d'avoir le cadre, il suffit de poser les choses correctement. Et voilà. Et sinon, pour la suite, on ne pourra pas avancer seul. Et on ne veut pas faire doublon avec ce qui existe déjà. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un tel maillage qui se mette en place. Mais pour ça, il faut qu'on avance ensemble. Peut-être que, qu'on trouve des financements, peut-être qu'on soit aussi inclusif au maximum. Parce que là, c'est pareil, il n'y a que les gens qui peuvent utiliser Zoom qui sont là. Ceux qui ne peuvent pas utiliser Zoom, ils ne sont pas là. Et la personne dont je parlais tout à l'heure, il faut vraiment réfléchir à la manière dont on peut l'inclure à ce genre de réflexion. Il serait juste super content. Même si ses voisins le connaissaient, c'est juste des choses comme ça, quoi. Et voilà. Donc la proposition, c'est ça. Je ne sais pas si elle est super claire, mais
on va pouvoir avoir des questions de clarification une fois que vous aurez répondu à la question de Judith. Alors, je te demande juste une minute, parce que j'ai un petit souci technique de mon côté. Voilà. Ouais, donc là, du coup, voilà, l'idée, c'est qu'on a cette proposition donc, à vous faire. Et ce qu'on a envie de faire, c'est qu'elle représente vraiment ce dont vous avez besoin. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de faire trois groupes de réflexion. Où là, l'idée, c'est vraiment de collecter votre avis sur la proposition avec trois prismes. Donc, il y a trois groupes. Le premier groupe, c'est l'idée, c'est de répondre à la question « Quel avantage je perçois dans cette proposition ?» Donc là, c'est vraiment, peut-être quand vous m'avez écouté, dire quand Judith elle a dit ça, ça m'a parlé, je pense que ça peut vraiment être utile pour le pays de GEC, ce genre de choses. Un deuxième groupe qui est « Quel risque je perçois dans cette proposition ?» Donc là, plutôt, c'est la version un peu négative. Par exemple, là, franchement, là, moi, je ne comprends pas vraiment. Ou peut-être, moi, ça me paraît beaucoup trop important. Là, c'est vraiment de partager, de porter un peu la casquette un peu gendarme. Le troisième groupe, c'est quelle idée pour nourrir la proposition. Donc là, l'idée, c'est vraiment, c'est peut-être tout ce que vous avez entendu, ça vous parle, ça vous plaît. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est vraiment de donner vos idées pour nourrir la proposition. Donc, ça, c'est la proposition qu'on vous fait, c'est d'avoir ces trois groupes de réflexion. L'idée, c'est d'avoir 25 minutes de réflexion sur chaque question. Et donc, le premier groupe va être animé par Circé, le deuxième groupe par Chloé et le troisième par moi-même. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de choisir le groupe dans lequel vous avez envie d'être. Donc, vous pouvez mettre directement dans le chat 1, 2 ou 3 en fonction de ce qui vous donne envie. Et comme ça, on pourra partager tous ensemble. La proposition, c'est parce que c'est assez vague quand même, du coup. Ouais. Donc, on s'exprime sur un concept de proposition, pas sur un objectif concret. C'est sur le principe. C'est sur le principe, effectivement. C'est sur la proposition, c'est vraiment se dire, là, dans l'idée générale, qu'est-ce qui me, en fonction du groupe que tu choisis, qu'est-ce qui me donne envie, quel avantage je verrais à développer ce type de projet, et vice-versa, après, pour chacun des groupes. Donc, c'est plus clair, François ? Oui, c'est plus clair, mais je trouve ça un peu théorique. C'est-à-dire que, c'est peut-être un peu dommage de ne pas se saisir de sujets plus concrets pour qu'on puisse avoir un truc un peu plus pratique déjà, alors que là, ça va être un peu plus conceptuel, ce qui on perd un peu du temps. Ouais, Yvette. Alors moi, j'aurais besoin, pour pouvoir avancer, d'avoir sous les yeux la définition du projet. Ouais, parce que comme vous y avez travaillé plus que nous, je pense que vous l'avez plus intégré, alors que pour nous, c'est nouveau. Donc, OK. Tu vois. Alors, le confinement, ça m'a ralenti la tête. Donc, T'inquiète, on y avait pensé. ce qu'on vous propose, c'est vraiment effectivement, dans un premier temps, juste de parler du concept pour ensuite se mettre en action. J'entends, François, effectivement, peut-être ta frustration de ne pas aller directement dans le concret, mais c'était important pour nous d'abord de passer par cette étape. Et de toute manière, là, ce qu'on vous demande, c'est effectivement de répondre à chaque question, en fait, dans le groupe 1, répondre à la question, par exemple, sur les avantages. Et après, dans un second temps, c'est justement réfléchir à des pistes d'action pour savoir comment on peut ajuster la proposition, comment on peut agir autrement. Ouais, alors moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'en théorie, c'est comme quand on demande aux gens est-ce que vous avez envie de sauver le monde, tout le monde va dire oui. Là, c'est pareil. Mm-hmm. Vous avez envie d'aider le pays GEX, oui. Par contre, est-ce que tu es prêt à aller mettre du temps pour aller, t'occuper de porter des cajots parce que tu veux faire un truc collectif partagé, une food cop partagée, là on voit les limites du concept, quoi. Voilà, c'est juste ça, c'est juste ce que je trouve. Et j'entends ton point, effectivement, pour nous c'était la prochaine étape, justement, sur une fois qu'on a fait cette proposition là, mais je le réévoquerai juste après, c'est vraiment de savoir
Normalement, l'idée, c'est de vous envoyer un petit questionnaire si vous êtes motivé pour contribuer. Et là, l'idée, c'est vraiment de partager le temps qu'on a envie d'y consacrer, le rôle qu'on a envie d'avoir dans ce projet. Voilà pour les remarques. Donc là, Yannick, normalement, est en train de vous rattacher chacun à des groupes. Donc sur la, je vois dans le chat, peut-on redonner la proposition ? On vous la redonnera quand vous serez réaffilié à votre groupe. Donc ça, vous inquiétez pas, ce sera plus clair. Et pendant que Yannick est en train de vous raffilier au groupe, je tenais juste à repartager les trois grands principes qu'on a évoqués au tout début, de paroles brèves et tournantes, d'écoute et attention, et de non-jugement et bienveillance dans ce qui va être apporté comme idée. Donc là, l'idée, c'est qu'on part pour 25 minutes. L'idée, c'est d'avoir 15 minutes au début pour que chacun puisse donner son avis sur la question posée, et puis ensuite d'avoir 10 minutes sur des pistes d'action pour ajuster la proposition et pouvoir justement agir derrière. Voilà, si vous avez des questions de clarification peut-être sur la proposition que j'ai racontée, vous pouvez les mettre directement dans le chat. Je ne sais pas si je pourrais y répondre maintenant, ça va dépendre de la vitesse de Yannick pour affilier les gens au groupe. Et une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est que si vous avez des questions, on pourra peut-être aussi y répondre dans le compte-rendu ou la synthèse de cette réunion. Yannick, où est-ce que tu en es, toi ? Alors, il me reste, en fait, il y a juste les personnes qui ne se sont pas manifestées, qui sont coincées, enfin, qui sont coincées, qui ne sont pas dans un groupe. Sinon, on a 5 personnes pour avantage, 5 personnes pour inconvénient et 11 personnes pour idée. OK. Et Yvette, pour répondre à ta question, vous aurez en fait à l'image, à l'écran. Super, ouais, parce que j'ai besoin de ça, moi, sinon je... Ah bah oui, ouais. Largement, oui. Non, sinon c'est impossible. Ouais. Et donc, il nous reste... alors, Françoise, qu'est-ce qui t'intéresserait ? J'ai marqué 2, quelque part, dans le 2, chat. D'accord. Ok, eh ben, allez, j'ai juste pas vu. On a Guillaume Delamarre. Quel groupe ? 2. Ben, parfait. On a Jean-Laurent. Jean-Laurent, tu voudrais être dans quel groupe ? Est-ce que tu peux montrer avec tes doigts ? Jean-Laurent, si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends ? Alors Lionel ? Lionel, juste peut-être zapper. Ok, bon ben vous êtes punis, vous resterez avec moi en attendant. Et du coup, je vous propose d'y aller. J'ai bien réglé le temps cette fois. J'ai bien mis sur 25 minutes et vous serez tenu au courant 60 secondes avant de partir. Voilà, à tout à l'heure. Bien revenu. Oui, nous sommes Judith, là. Je te laisse la place. Oui, je regardais, est-ce que là on est plus que 25, on a eu des pertes sur la route, c'est peut-être des gens qui, c'est ça? Alors oui, il y a 2-3 personnes qui étaient parties avant même de créer les groupes. Je crois qu'il y a une personne qui est partie pendant. Ok, très bien. Du coup, j'enchaîne. Donc là, en fait, l'idée, c'est que du coup, il est 52. On risque de peut-être un tout petit peu déborder. Donc, on va essayer de faire vite. Oui, l'heure du repas approche, Caroline, c'est clair. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est peut-être en 2 minutes, que ce soit moi, Chloé ou Circé, on fasse une synthèse hyper rapide de ce qu'on a, merci Pierre, de ce qu'on s'est dit en fait pendant le groupe, comme ça on partage ce qui s'est dit dans chacun des groupes, et puis après on aura un dernier tour de clôture hyper rapide et ce sera terminé. Alors du coup je commence, comme ça je me mouille en premier. Donc
En gros, moi, si je fais... Yannick, je veux bien que tu me dises si je m'emballe un peu aussi dans le temps. Voilà. Je te laisse 2 minutes. Merci. Donc, en fait, ce qui s'est passé nous, dans le groupe, donc, c'était quelle idée pour nourrir la proposition. Il y a eu, je dirais, plusieurs sujets. Un premier sujet sur est-ce que il y a eu un espèce de petit débat qui s'est installé sur est-ce que c'est bien de recenser les initiatives et les structures déjà présentes, et de la même manière, est-ce que c'est bien de recenser les besoins, parce que du coup, s'il y a un temps de remonter des besoins ou de remonter des initiatives déjà présentes qui prend du temps et qui peut peut-être couper l'énergie des individus. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un parallèle entre eux, à la fois bah, ceux qui ont envie de passer à l'action, d'agir, puissent le faire et répondre à leurs envies, et à la fois qu'il y aurait un travail de fond, à la fois sur la collecte des besoins, mais aussi, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas proposé, c'était de recenser les initiatives et les structures qui répondent déjà aux besoins. Donc un peu comme ce qu'a commencé à faire Yannick avec la slide sur qu'est-ce qui a déjà été fait au Pays de Gex, mais de le faire peut-être plus en détail, pour justement en fait, éviter les doublons. Donc ça c'est une première idée. Ensuite, il y a eu une autre idée qui était de dire, mais en fait, le sujet, j'ai l'impression que la fracture numérique, c'est quelque chose qui est important pour les participants, là, j'ai l'impression. Et donc, il y avait le sujet de partir du local et de peut-être des petites communautés. Donc, à la fois réutiliser ce qui est proposé par le Pacte pour la transition avec des assemblées citoyennes ou les conseils citoyens à l'échelle locale. Et puis aussi, il y a une proposition sur organiser des arbres à palabres ou des arbres à problème/solution. À l'échelle d'un quartier, d'un village, d'une ville ou d'une place, pour justement collecter ses besoins en réel. Il y a eu d'autres idées aussi d'animation, avec un World Café ou des forums ouverts dans des centres commerciaux. Donc là, c'est vraiment pour aller peut-être adresser des gens qui n'ont pas l'habitude. Là, ça a sonné. 2 minutes sur tout. Merci beaucoup. Et du coup, pour terminer, il y avait une idée aussi pour s'appuyer sur les conseillers communautaires qui participent à la communauté de communes pour mettre en œuvre ce dispositif. Voilà pour ma synthèse. Je laisse la main du coup à Circé, peut-être. Tout à fait. Alors, je vais parler un peu par mots-clés. Donc, ce qui en est ressorti de nos beaux échanges, c'est que c'est très intéressant d'utiliser des outils ludiques, que s'axer sur le plaisir, c'est un bon levier. Ce qui est aussi important, c'est la phase d'accompagnement pour aller dans le réel et voir le concret, les freins et les leviers aussi. Pareil, le sujet de la difficulté numérique est ressorti. Donc, penser aux différents territoires, aux tailles de groupement en fonction. C'est important de partir de petits groupes pour les rendre autonomes et ensuite élargir. Et ce qui relie aussi tout, c'est que partir des besoins réels, ça permet d'éviter les écarts entre les intuitions, les suppositions et la réalité du terrain. Que de toute façon, se baser sur l'intelligence collective permet de créer des cercles riches qui s'auto-stimulent et s'auto-alimentent. Et partir du local permet de répondre de façon personnalisée aux intérêts en présence. Si je peux continuer, c'est pour conclure, c'est un petit peu les mots-clés qui sont ressortis. C'est la créativité, le développement personnel pour apprendre à mieux verbaliser, le local, de faire confiance à la bonté humaine. Et pour conclure, un petit proverbe, tous ensemble, on va plus vite. Tout seul, on va plus vite, pardon. Ensemble, on va plus loin. Voilà. Merci d'ailleurs au groupe pour toutes ces belles propositions. Merci beaucoup Circé. Je te donne la main, Chloé. Merci beaucoup. Donc, les idées principales qui sont remontées dans le groupe 2, donc, c'était en effet d'éviter de faire doublon avec ce qui existe déjà et qu'il y avait vraiment un besoin de maillage, d'identifier ce qui existait et ne surtout pas faire en parallèle. Ça, c'était la première idée principale. Ensuite, il y avait un petit risque en termes de communication. Donc, être sûr qu'on touche bien tout le monde, qu'on inclut bien tout le monde
Et ça passe aussi par ne pas forcément cibler que les personnes défavorisées, mais aussi voilà, s'adresser aussi aux commerçants, par exemple, ou à d'autres tranches de la population. Donc, être sûr de toucher le maximum de personnes. On a eu une question aussi, enfin une interrogation crainte sur le timing. À quel moment on lance cette démarche, sachant qu'il y a deux principales interrogations. C'est en ce moment, on est un petit peu dans une bulle parce que les élections sont, on va dire, mises en pause. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce confinement? Est-ce qu'on va retourner dans ces querelles un petit peu politiques ou est-ce que la solidarité sera toujours de mise? Et aussi le fait que on est dans une bulle, on imagine plein de choses pendant ce confinement, mais du coup, est-ce que nos initiatives seront aussi, notre engagement sera aussi fort après la fin du confinement? Donc voilà la question du timing. Ensuite, on avait une interrogation, une crainte sur le fait de ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, des élus ou d'autres, et que ça soit bien une initiative locale. Donc ça revient aussi un petit peu à ce qui a été dit dans les autres groupes. Le fait donc de ne pas recenser que les besoins, mais de recenser aussi les initiatives, les solutions qui existent déjà. On avait aussi une petite crainte sur le fait de ne pas être découragé face aux potentielles réticences qu'on trouvera quand on voudra interroger des gens qui ne veulent pas forcément s'exprimer. Donc voilà, de rester motivé. Et lié à ça, il y a aussi la crainte de l'essoufflement, parce qu'il y a des personnes qui sont engagées sur plusieurs projets. Donc faire bien attention que... je vois que ça bip, donc j'accélère. Dernier point, c'était sur le turnover de la population dans le pays de Gex. Donc voilà, prendre en compte aussi. Et donc pour conclure, les trois grandes idées, principes d'action pour peut-être contrer ou faire en sorte que ces risques ne se matérialisent pas, on avait le fait de faire un listing donc, pour recenser toutes les initiatives. Pourquoi pas de créer une équipe locale qui serait dédiée au mariage et au fait de répertorier l'existant. Sur la question de la communication, il y avait une idée de recenser tous les canaux qui existaient déjà et d'identifier ce qui fonctionnait mieux en fonction des différentes cibles et donc d'avoir une stratégie de communication sur différents canaux en même temps. Et sur l'essoufflement, d'être sûr qu'on soit assez nombreux pour pouvoir se répartir les tâches. Voilà. Merci beaucoup, c'est trop cool. Du coup, Yannick, je te passe la main pour le tour de clôture. Yes. Alors voilà, donc, donc déjà l'idée avec cet atelier, c'était de vous montrer un petit peu ce qui était possible. Et ce genre de choses, en fait, qu'on a fait ensemble ici, on peut le faire à plein de niveaux, de plein de manières différentes, avec plein de types de publics. Et en fait, ce que vous avez vécu là, alors je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà vécu quelque chose de similaire. Ça provoque un espèce de déclic de conscience où on se rend compte qu'en collectif, on peut faire des choses différentes. Et ce déclic de conscience, plus on le fait vivre à des gens, et plus il y a des gens qui vont se rendre compte que qu'on peut se laisser aller dans le collectif et qu'on aura comment dire, enfin qu'on aura des manières de répondre à nos besoins, etc. Et que ça soutient d'une certaine manière. Donc, ce que je vous propose également, c'est qu'on a mis une adresse email ici, c'est contact@solucratie.org, que je vais mettre dans le chat également. Et l'idée, bah, c'est si vous voulez, en fait, soit vous impliquer, soit juste être tenu au courant, parce qu'on va faire une synthèse, on va éditer tout ça, etc. Et on va continuer à avancer sur le sujet. Là, vous pouvez juste envoyer un petit mail là-dessus, et puis nous, ça nous permettra de créer une mailing list. Et voilà. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est juste de montrer avec vos doigts, je crois qu'on voit à peu près tout le monde, sauf Sylvain, de montrer avec vos doigts sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous auriez envie de s'impliquer dans vous impliquer dans ce projet. Voilà. Comment dire, enfin, juste ouais, à quel point vous auriez envie de vous impliquer dans ce projet au niveau motivation et envie. Je vous montre comment on fait. Yannick, est-ce que tu peux juste retirer ton partage d'écran comme ça on permet de voir tout le monde. Ah, yes. Ouais. Merci. Tu prends un cliché? Tu prends une photo, Yannick?
Moi, j'en prends une, ouais. Si ça embête personne, je fais une capture d'écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Un. Merci. Trop bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Ce que je propose, c'est peut-être de laisser ouvert. Si vous, voilà, maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros. Vous pouvez parler librement, etc. On laisse un petit peu la conversation ouverte si jamais vous aviez envie de rajouter des choses. C'est quoi la suite alors maintenant? Alors la suite, c'est qu'on va établir une synthèse déjà de ce qui s'est fait, de tout ce qui s'est dit ici, réunir une liste d'emails et en fonction de tout ce que vous avez discuté, de vos envies, etc., de liens aussi que Pierre a partagé, qui va être extrêmement utile, de la Croix-Rouge qui recense déjà toutes les initiatives, de pouvoir déjà communiquer là-dessus et de vous proposer ensuite un formulaire pour voir comment vous voudriez vous impliquer, à quel niveau, est-ce que c'est une demi-heure par jour, 10 minutes par semaine ou quelque chose comme ça, et de voir comment on peut avancer ensemble. Et notre intention aussi, c'est aussi d'aller chercher des financements, c'est-à-dire qu'on va pas on va faire ça. Enfin, il y a des choses qu'on va faire de bénévoles, mais aussi qu'on ait quelque chose où on soit financé, qu'on mette en place quelque chose qui est utile à tout le PayJax et où on soit financé et où on puisse avancer avec les élus et être au service de tous. Et j'ai oublié d'appuyer sur entrée avant de mettre le. Merci Yannick. N'hésitez surtout pas, si vous voulez mettre votre mail, vous pouvez le mettre directement dans le, si vous voulez être contacté dans le chat, et ou sinon vous nous envoyez le mail comme vous souhaitez. Il y a Fanny, je crois, qui avait envie d'intervenir.